Alexa, turn on light. Ok, ça va, amen. Tando alayin jaba kolimarile. Mahina lale, hina lale. Jarabilo mansale. Anyi lele batula, anyi lele matarala. Jandi antanga sila la kele mborokan. Ineke la minu na ulula sila le koye. Moneke la minu la uluta kote. Filipa, telefananta kote. Ala keting. Voilà, ça c'est le surat Fatiha de Djerkolubaya. Djerkolubaya et l'islam, c'est presque la même chose, la soumission. L'islam, c'est la soumission. Le Djerkolubaya, c'est la soumission. Vous avez vu, il n'est pas du tout difficile de comprendre ça. Pourquoi Nafo a été condamné? Mais depuis mon kill Facebook, ma harbougo, regarde. Plus de 2 minutes, je ne peux pas arriver à 100 personnes. Ce n'est pas grave. Pourquoi Nafo a été condamné? C'était pour son bien. C'est pour son bien si Nafo a été condamné. Si Nafo n'avait pas été condamné, des personnes mal intentionnées allaient partir l'attaquer, allaient lui faire du mal. Et l'autorité de Kankan allait être remise en cause. C'est l'injustice qu'on l'a fait, mais c'est une injustice positive qu'on a fait à Nafo. Moi-même, j'ai compris. Parce que ce n'était sur aucune base la condamnation de Nafo. Aucune base. Et ça, c'est permis en matière judiciaire. L'injustice positive, c'est permis. Parce que c'est pour son bien lui-même. Vous vous souvenez, une fois quand il a été convoqué par le préfet et on l'a relâché. C'était à la gendarmerie. Et on l'a relâché, on ne l'a rien fait. Les gens se sont déplacés, ils sont venus détruire sa mosquée. Ils sont venus s'attaquer à sa mosquée, le rendre à zéro. Donc, si la manière dont le climat était très très chaud là, Kankan, à ce moment-là, juger Nafo, le relâcher, c'était de le mettre en danger. Le juger, le relâcher, il y a des personnes qui étaient prêtes à le tuer, à tuer Nafo au nom de l'islam. Donc, le bien de Nafo, c'était de le condamner et montrer à l'opinion public que Nafo a fauté, il faut le mettre en prison. Moi, je suis pour. Nafo est en prison en ce moment, mais c'est pour son bien. C'est pour que les esprits se refroidissent. C'est cette politique que le procureur a utilisée. Si l'imam a très bien défendu Nafo, Nafo s'est très bien défendu. Il a même transformé l'islam en Djerkolubaya. Djerkolubaya en islam, ça veut dire simplement la soumission. Et c'est la même chose. Et je pense que c'est ça. Donc, ceux qui se sentent mal à l'aise parce qu'une enfant a été condamnée, calmez-vous. C'est pour son bien. Calmez-vous. Parce que les gens ne sont pas encore prêts à accepter la pratique de l'islam de Nafo. C'est l'islam, il pratique, hein, ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est l'islam. Mais les gens ne sont pas prêts à accepter sa pratique. Et là, les gens sont prêts à le tuer au nom de l'islam. Les gens sont prêts à le tuer pour défendre l'islam. Les gens sont prêts à attaquer même sa famille, à détruire son foyer. Donc, je pense que c'est de bonnes guerres. C'est pour son bien. Ne vous en faites pas. La justice, c'est très bien qu'ils ont fait l'injustice, mais c'est positif à Nafo. Mais personne ne comprend l'angle là. Même les parents de Nafo ne comprendront pas. Ils veulent qu'ils les libèrent. Ils veulent que Nafo soit libre de ses mouvements. Mais ils ne comprennent pas ce côté de la justice. La justice, c'est un côté humanisme. Hein. Et là, c'est ce côté-là. Donc, il faut se réjouir du travail de la justice de Kankan. Il ne faut pas toujours voir la loi comme telle, dire « Ouais, on a fait ceci, on a fait cela, mais c'est très bien pour Nafo. » Regardez seulement ce que je vous dis, si c'est faux. Il faut se réjouir de ça. Les parents de Nafo, c'est pourquoi je vous explique ça.
c'est pour le bien de Nafo. Est-ce que vous serez capable de défendre Nafo face à, à tout le monde de Cancan, à tous ceux qui sont contre la pratique de Nafo? Vous avez été témoin, vous n'avez pas pu épargner sa mosquée quand les gens sont venus attaquer. Vous n'avez pas pu. Les gens, et ils l'ont dit carrément, Alba Bilandafa, qui est fou de le lâcher comme ça? Est-ce que le juge peut être aussi bête pour le laisser comme ça partir? Il faut inventer quelque chose pour le maintenir juste. Et en ce moment, je sais une chose, les esprits se sont reposés. Les esprits se sont calmés à Kanka. Les gens ne sont plus prêts maintenant à aller cueillir en faux. Parce que les gens étaient, parce qu'ils savaient, ça ne se reposait sur rien. La justice devait le laisser libre de tous ses mouvements. Mais le laisser, ah, aujourd'hui, on n'allait pas parler de Nafo. Voilà. Donc, il nous manque quand même, il nous manque avec ses récitations, il manque à ses adeptes, mais il faut accepter. Et je le dis encore, il n'y a pas une personne en Guinée qui fait buzz plus que Nafo. Nafo est le champion du buzz en Guinée. Une seule sortie, c'est sur le plan international, on en parle. En Afrique même, est-ce qu'il y a une personne qui fait buzz plus que Nafo? Une seule sortie, tout le monde entier en parle. Même les Arabes en parlent. Une seule sortie. C'est le roi des buzz. Et aujourd'hui, il est en prison. Mais il doit être là-bas pour un petit temps. On va le relâcher encore. Il doit être là-bas pour un petit temps. Il ne faudrait pas qu'on s'offusque. Vous avez même vu l'attitude de son avocat. Il n'était pas aussi contre. Parce que ça ne s'est reposé sur rien. Trouble à l'ordre public. Jusqu'à combien de mois? C'est juste pour calmer les gens. C'est juste pour calmer les gens. C'était juste ça. Sinon, tout le monde fait ça. Trouble à l'ordre public. Tout le monde fait ça à Kanka. Mettre les haut-parleurs là. Faire chaud de la rue. Barrer même les routes. Empêcher les gens de partir là, de vaquer à leurs occupations. Ça se passe comme ça. Je ne parle pas des jugements politiques. Hein. Moi, je ne parle pas de ça. Épargnez-moi de ça. Moi, je parle du cas spécifique de Nafo. Nafo a été condamné pour préserver sa vie, pour le sauver de la vindicte populaire, pour l'épargner de ça. C'est à cause de ça qu'il a été condamné. Rien d'autre. La condamnation qui a été dite par le juge ne repose sur aucune base juridique. Rien. Il n'y a rien d'autre. C'était juste ça. On devait plutôt poursuivre les gens qui sont partis l'interpeller parce qu'ils ont usé de la violence contre les enfants qui étaient là-bas. Ils devaient être poursuivis. Mais non, il fallait condamner Nafo. C'était ça qui était plus important. Nafo ou rien. C'est ce qui était important. Et encore, Tando ala inja bakoli marile. Manina lale, hina lale. Charabilo mansale. Anyi lele batula, anyi lele matarala. Jandi antanga sila la kele mborokam. Ineke la minu na wulu la sila le koye. Moneke la minu na wulu ta kote. Filiba deli fanan ta kote. Ala kete. Nafo, on est de cœur avec toi, avec ton Yel Kolobaya. Mais moi, je ne fais pas le Yel Kolobaya. Je ne suis pas de Yel Kolobaya. Mais il pratique sa religion. Il dit que Mamadi est son prophète. On ne sait pas maintenant si c'est l'homonyme de Madik sans frontières, parce que Madik frontières, sans frontières s'appelle Mamadi. Voilà, Nafo, il dit que le prophète s'appelle Mamadi. Donc voilà. Mais on sait tous que Mohamed à Malinké, c'est Mamadi. Et en dessous, c'est Momo. Bon, c'est les forestiers, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais c'est les poulots, on appelle Mamadou. Voilà. Donc, sur ce, on va se quitter et bye bye. Eh, hey, Abdul Kaba, c'est toi qui dis là que moi, j'ai porté jogging. Moi, chez moi là, c'est climatisé. Hein. Je réduis parce que j'aime le froid. Je réduis très très bien. C'est pas chose que je prends comme ça là, ventilateur. Ou c'est les maudits blogueurs là quoi. Ceux qui n'ont pas climatisé à ce sujet, ils ont ventilateur là quoi, les maudits blogueurs. Voilà, ni le Narabama, et d'origine ma fintana. Il fait très chaud dehors. Mais ici là, à l'intérieur. Il fait très frais. J'ai même diminué pour faire le directal pour écrire encore. Et il fait chaud, il fait chaud.
Voilà. C'est sous-climatiseur. Je ne suis pas un maudit blogueur. C'est lui qui crie tout le temps là. Et pourtant, même là où il a pour dormir, là, il n'en a pas. Voilà. Moi, je ne suis pas un maudit blogueur. Hein. Ah, donc, faut pas nous comparer. Maudit blogueur, il parle trop. C'est des gens qui parlent trop. Mais voilà, il y a même des guinéens. Et parfois, ils viennent s'asseoir même. Ils regrettent pourquoi ils ont fait des vidéos. Ils regrettent parfois pourquoi j'ai fait les vidéos. Et ils appellent s'asseoir dans leur salon. Mounrogué, là. C'est ce qu'ils appellent combat, combat. Des maudits blogueurs. Des maudits blogueurs. Et dans le salon, ils nous voient dans le téléphone. Dans le téléphone, mais ils s'aiment bien faire la couette. Ils doivent au téléphone. Tu monologues toi seul. Tu monologues toi seul. On la comprend. Des maudits. Moi, je ne vais jamais les écouter, quoi. C'est eux qui font ça. C'est maudit blogueur qui fait ça. En bouang, et fait au téléphone, mais attaque, man noir. Et on m'a pas reconnu. On n'a pas reconnu mon combat. Moi, j'ai fait ça. C'est juste pour Alpha Condé que je fais ça. C'est pas pour les ministres. Les ministres là, que toi tu ignores là. Alpha Condé respecte les ministres. Les ministres dont toi tu dis là, tu fais pas le combat pour eux. Alpha Condé, son combat là, c'est pour les ministres. Là. Parce qu'il n'est pas mouillé, mais Alpha Condé a compris rien, m'a dit. Il est vieux. Encore une fois, il m'a dit nulle part. Et on a un vidéo, on a un foulain béni. On a un go. Voilà.